Pendant toute la semaine, c'est Sébastien, le chef de l'Arc Hussard sur Moselle qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Donc Sébastien est parti sur une poêlée de cèpe, le champignon du moment, qu'on va associer avec un œuf poché. C'est ça. Et puis un petit jus. Et un petit jus de viande pour lier et apporter de la gourmandise. Tout à fait. Donc là, on coupe nos cèpes. Voilà, on va les découper en petits dés. Oui. Bon, l'idée, c'est quand même de les couper assez grossièrement pour vraiment avoir de la mâche et garder le cèpe. Il faut savoir qu'en plus, la cuisson, elles vont quand même fondre un petit peu. Donc, quand même garder des beaux morceaux. Donc, tu coupes et les... Et les pieds et les têtes. On va tout mettre en poêlée pour le coup. Alors, on va chauffer une poêle pour les cèpes. Oui, et pendant ce temps, donc là, tu casses tout de suite les œufs pour l'œuf poché. Donc là, tu as mis du vinaigre blanc au fond. Un fond de vinaigre blanc, ça va aider un petit peu à raffermir la coque du blanc d'œuf, de manière à ce que quand on la jette dans l'eau bouillante, le blanc d'œuf vienne tout de suite se refermer sur le jaune. Et ça va être un pochage quasi instantané. Et donc, tu me conseilles de les préparer comme ça, un peu à l'avance. Voilà, en fait, deux petites minutes à l'avance, le temps que le vinaigre fasse son effet. De toute façon, on va voir tout de suite la différence comme ça accrue quand ça aura pris un petit peu, quand ça aura un peu posé. Hop, voilà. Et donc pendant ce temps, on va poêler nos cèpes. Voilà, on va faire notre poêlée de cèpes. Donc on va démarrer à l'huile. Donc tu mets un petit peu de matière grasse. Voilà, à l'huile de tournesol, huile de tournesol, arachide, colza, selon les préférences. Sur un feu bien bien vif, on va tout de suite démarrer nos cèpes. Ah, super. Et là, l'idée, c'est de les laisser avec une belle coloration. Alors, souvent, le champignon demande un peu de matière grasse. Oui, c'est vrai. Il faut l'hydrater. Donc, un petit peu de sel. D'accord. Ah, super. On va mettre du beurre. D'accord. Tu hydrates avec le beurre. Voilà, c'est ça. Donc on va mettre un petit peu d'échalotes ciselées. Oui. Un petit peu d'ail. D'accord. Donc de l'ail, de l'échalote. Voilà, c'est ça. On va bien mélanger. Donc les champignons, moi personnellement, j'aime quand c'est quand c'est un peu relevé, il faut que ça... C'est ce que j'allais dire, un champignon, ça reste assez... ça a du goût, mais enfin, voilà, c'est pas très prononcé, donc il faut bien l'assaisonner. Non, c'est ça, Si c'est mal assaisonné, le champignon, malheureusement, il est un peu fade, donc pour rehausser un peu toutes les saveurs, c'est vrai que l'assaisonnement, c'est essentiel, et le poivre, c'est vrai que ça fait du bien dans les champignons. Donc là, à la fin, on va juste mettre un petit peu de persil. Oui. Fraîchement haché. Ouais, donc on est sur le classique échalote, ail, persil. Ah, vraiment le. Mais le, qui le fonctionne très bien avec les champignons. C'est ça. Peu importe lesquels. En période d'automne, c'est un des plats les plus réconfortants. Avec du gibier, ça passe aussi super bien. Et là, en guise d'entrée, avec un petit œuf poché, ça sera super. Donc là, les champignons, c'est quasiment terminé. C'est quasiment terminé. Là, on va être prêt à dresser. On va s'occuper des œufs pochés. Ouais, on poche nos œufs. Ton jus de viande, il est déjà chaud. Le jus de viande est chaud. Donc, et après, on n'a plus qu'à dresser et à goûter. C'est ça, exactement. C'est top parce qu'effectivement, de toute façon, l'œuf et le champignon, ça marche super bien. Là, les cèpes sont vraiment excellentes. Et c'est vrai que le jus ça de vient viande... Lier ah ouais, c'est ça. Ça vient... ça continue d'apporter de la gourmandise. Et c'est un plat qui est réconfortant. Tout à fait. Non, c'est une belle première recette. On fait quoi ensuite, Sébastien? Alors ensuite, on va faire un gratin de queue d'écrevisse avec une julienne de poireaux et une sauce aux crustacés.
Donc là, c'est bon, on a émincé le poireau. Voilà, on a fait une julienne de poireau. Mmh. Donc on a prélevé uniquement les blancs avec une toute petite partie du vert. Donc tout ce qui est du vert du poireau, on garde pour les fumées, les fonds de sauce. Et là, on va servir du blanc. Donc on va juste faire tomber à l'huile d'olive. Et bien, ça marche. Donc là, un peu de matière grasse. Voilà, un petit peu d'huile d'olive. Et donc on va mettre notre poireau. On va mettre notre poireau directement dedans. Et en fait, le poireau, il va venir où exactement dans... Alors ça, on va mettre dans le fond de l'assiette. D'accord. Voilà, on va faire un petit nid de poireau. Mm-hmm. Et par-dessus, on va déposer nos... Mais que des crevisses qui seront juste décortiquées. Donc on aura juste cuit. Ouais, c'est vraiment ce qui va accueillir nos queues d'écrevisses, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Là, le poireau va parfaitement se marier avec la disque d'écrevisses, le côté crustacé. Donc ça va être super sympa. Donc on va juste assaisonner nos poireaux avec un peu de sel. Donc, du sel. Ça va aider le poireau à suer un petit peu. Oui, l'idée, de toute façon, c'est de le faire suer. Ça reste une cuisson qui est assez rapide, en plus, assez coupée, tout fin. Voilà, exactement. La julienne, le fait de les couper en tout fin bâtonnet, ça va raccourcir énormément la cuisson. On va vraiment faire rendre l'eau de végétation aux légumes. Et le fait d'ajouter du sel au début, ça aussi, ça va aider. C'est pas mal, c'est bon ? Ouais, c'est tout bon. Eh ben super. Donc ça, on réserve. Voilà, on va réserver. Et puis après, on va s'occuper de nos écrevisses. Tout à fait. Donc là, on va démarrer le sabayon. Voilà, tout à fait. Donc là, t'as mis quoi ? Donc là, on a juste du jaune d'œuf avec une petite goutte d'eau tiède. D'accord. Un petit peu de sel. Et puis, on va y aller tout doucement sur le feu. Hop. Et donc là, on va monter notre sabayon. Donc là, t'es parti sur œuf et eau. Ouais. Pourquoi t'as pas utilisé de vin ? Alors là, après, notre sabayon, on va le mélanger à une bisque d'écrevisse. D'accord. Une bisque qui est déjà très corsée. Ouais, tu voulais pas... Il n'y avait pas besoin de rajouter d'acidité dedans. Ça sera déjà très correct comme ça. Alors, on va le faire monter en température, doucement, en le fouettant. Donc là, on va arriver à un beau foisonnement. Monter en température, mais très légèrement, hein, parce qu'il fait. Faut pas... Alors, nous, on les fait sur des feux vifs. Ça peut éventuellement être fait aussi au bain-marie, pour éviter de rater la cuisson. Bon, après, quand on a l'habitude sur un feu vif, c'est plus rapide. Quand t'as l'expérience, forcément. C'est un petit peu plus rapide, donc si on arrive bien sur le feu, ça va bien aussi. Mais en tout cas, si on préfère jouer la prudence, on le fait au bain-marie, quoi. Tout à fait, voilà. Là, on le voit, ça commence légèrement à... En fait, on va le voir au fond, c'est que... C'est ça. Dès qu'on passe avec le fouet, qu'on arrive à voir le fond de notre casserole, c'est que ça commence à être pas mal. Alors là, on commence à être pas mal. Donc là, on voit qu'en passant avec notre fouet, on commence à voir le fond de notre casserole. Donc là, on est bon. Donc là, on est pas mal. Donc là, j'ai une bisque d'écrevisse que j'ai préparée en amont. Oui. Donc, carcasse d'écrevisse, on a fait une garniture aromatique avec échalotes, de l'ail, du poireau, des branches de persil. On fait cuire ça, on fait flamber au cognac, un petit peu de vin blanc, on mouille à l'eau et on laisse cuire pendant 2 heures. Ensuite, on crème et on laisse réduire. D'accord. Et donc là, on va en mettre un tout petit peu dedans. Oui, elle est suffisamment corsée. Tout à fait. Et forte en goût pour que tu n'aies pas besoin d'en mettre de manière importante. C'est... Alors nous, on fait à chaque fois, c'est des glaces de fumée ou de fond. Donc c'est des sauces qui sont hyper corsées et qu'après, soit on retravaille ou on essaye de mélanger à quelque chose pour bien équilibrer les sauces, quoi. Là, on va faire notre gratin, je suppose. Tout à fait. Donc on va passer au dressage. Donc là, c'est bon, tout est prêt. On n'a plus qu'à dresser notre gratin d'écrevisse. Donc on va mettre le petit nid de poireau et après, on met au four et on goûte. Thank you.
divin. C'est top parce que, en fait, il y a un côté un peu effet surprise. Ouais. C'est-à-dire que si tu connais pas l'intitulé du plat, tu dis tiens, qu'est-ce que c'est, etc. Alors tu vois effectivement. On sait reconnaître les écrevisses. Voilà, les écrevisses, mais derrière, bon, on sait pas ce qu'il y a. C'est ça, le fait qu'il y ait la petite tombée de poireau en dessous. En plus, on a mis un peu de bisque. En fait, c'est très très bon, c'est très gourmand. Les deux matchent bien. On est presque, j'ai envie de dire, sur une recette festive, quoi. Tout à fait, enfin, ouais. Ça sent presque les fêtes de fin d'année et Noël. C'est ça, c'est ça. Donc, non, vraiment top. On fait quoi ensuite ? Donc ensuite, on va faire un saltimbocca de cabillo. Donc on va switcher de la recette d'origine et puis on va servir ça avec une polenta au basilic. Donc pour cette saltimbocca de cabillo, donc là on est parti donc sur effectivement du cabillo. Voilà, filet de cabillo. Alors bon, on pourrait faire ça avec un autre poisson. Nous, on prend le cabillo parce que c'est celui qui se prête le mieux. C'est une recette qui je connaissais pas du tout en fait. C'est quoi C'est de base la recette d'origine de saltimbocca, c'est italien. Oui. Normalement, c'est fait avec soit viande de veau ou volaille, et c'est cuit à plat avec du jambon cru et c'est gratiné soit avec de la mozzarella ou un fromage au choix. Ok. Donc nous, on va faire la même chose. On va supprimer le fromage. On va garder le côté lard fumé, voilà, qu'on remplacera par. Qu'on remplacera le jambon cru par le lard fumé. On va enrouler notre filet de poisson dedans, donc on va bien l'assaisonner. Mmh. On va rajouter aussi une petite feuille de sauge. D'accord, donc, ok, pour vraiment. De la recette d'accord. d'origine. Mmh. Et après, on va les rôtir et on va servir ça avec une petite polenta basilic. Bah, top. Voilà. Donc on les assaisonne, nos cabillots. Tout à fait. Donc on va passer sel. Oui. Et poivre. D'accord. Ensuite, on va prendre deux tranches de lard. Et tu vas le chez le boucher, normalement, ça se trouve assez facilement. Et tu vas rouler ton cabillaud dedans. Tout à fait. Voilà. Mais je ne connaissais pas du tout. Déposer notre cabillaud. Donc voilà. Le lard, ça va nourrir un peu le poisson. Donc là, pour les recettes-là, si vous changez de poisson, le mieux, c'est de ne pas prendre de poisson trop gras. Mais parce que comme le saumon, le problème, après, si on rajoute gras sur gras, c'est ce que j'allais dire. Là, ça va être, pas être super agréable. Non. Donc hop, on le roule. Voilà. Donc là, on a nos trois petits pavés. Mm-hmm. On va passer à la polenta. Oui. Donc là, on les laisse et puis on s'en occupe voilà, après. Voilà, on va retirer ça un petit peu plus tard. Alors, pour la polenta, donc là, tu nous as mis, que tu as fait chauffer. Donc là, il y a quoi ? Du lait ? C'est ça, j'ai du lait, de l'ail. On a mis un petit peu d'huile d'olive, du sel et on a mis un petit peu de bouillon. D'accord. Alors, ça peut être soit un bouillon de légumes. Là, nous, on va l'accommoder avec un poisson. Donc, j'ai mis un petit peu de fumée de poisson. Oui. Et on va ça cuire, peut être un bouillon de légumes, en tout cas. Voilà, ça peut être un bouillon de légumes, ça peut être un fumé de poisson, ça peut être un bouillon de volaille, ça peut être un fond blanc de veau, ça peut être plein de choses. Ça peut de l'eau pour ceux qui n'ont pas de bouillon de près, mais c'est toujours un peu plus agréable avec des bouillons. Donc là, hop, tu mélanges voilà, et puis tu vas mettre. Frémissement, on met notre polenta en fine pluie, oui. En remuant tout de suite, temps. Voilà, pour éviter que ça accroche au fond et que ça fasse un bloc. Mm-hmm. La polenta, elle va se gorger avec le bouillon, donc il faut vraiment toujours bien remuer. Bien remuer, bien surveiller. De toute façon, on va le voir, hein, elle va prendre en. Ouais, ça, elle va absorber ça va en fait aussi le liquide. C'est ça, ouais. Donc, ça, c'est une recette qu'on peut préparer un petit peu à l'avance, sans problème. Hein. Elle se réchauffe bien, qu'on peut bien la. Ça se réchauffe assez facilement, donc il faut la réchauffer. Si on réchauffe, ça se réchauffe vraiment très doucement, pour éviter de la faire accrocher en rajoutant soit un petit peu de bouillon ou un petit peu de lait pour la détendre un petit peu, parce que plus elle va attendre et plus elle va se raffermir. Là, on voit tout de suite qu'elle commence à épaissir, oui, elle commence à prendre là. Du corps. Donc là, on baisse le feu quand elle commence à prendre leur consistance. C'est pour éviter juste qu'elle accroche, puis on continue à la remuer. Mm-hmm. Donc là, c'est bon, hein. Là, on a pris vraiment une belle consistance. Voilà, là, elle a bien épaissi, donc on va pouvoir ajouter un petit peu de parmesan. D'accord, donc pour apporter de la gourmandise. C'est ça. Donc après, c'est parmesan, mais ça pourrait être comté, ça pourrait être du Beaufort, ça pourrait être un fromage à pâte dure. Mais en tout cas, on met un petit peu de fromage, c'est toujours sympa. C'est toujours meilleur, c'est vrai que la gourmandise, c'est important. Donc tu remélanges bien. Voilà. Et là, on est pas mal. Alors voilà, là après, on va la laisser tirer. Oui. Donc tu vas la réserver sur le côté. Tout à fait. Et puis on mettra le basilic. Alors moi je vais mettre, alors on pourrait mettre soit là maintenant tout de suite du basilic légèrement ciselé. Moi je préfère mettre une huile de basilic, ça va donner une belle couleur et d'accord. puis en plus de ça se mélangera mieux. À la fin, voilà, tout à fait. Donc ça on réserve de côté. Voilà, et tout puis pendant à fait. Ce temps on va s'occuper de notre. De nos cabillauds.
Donc là, c'est les cabillauds. Bah là, c'est quasiment terminé. Hein. Voilà, quasiment. On va faire revenir donc notre cabillaud recto verso. Tout à fait. Ensuite, on va terminer au four. Une minute à peine. D'accord. Et après, on n'a plus qu'à dresser. Hein. Tout à fait. On a tout. T'as une sauce Alors, pour la sauce, nous, on va utiliser un pesto basilic. Après, ça pourrait être fait avec une sauce vin blanc classique. Voilà, même sans sauce, ça sera très bien. Bon, bah on n'aura plus qu'à dresser et surtout à goûter. C'est top parce qu'effectivement, ce qui est sympa, c'est que tu as ton cabillaud qui a été nourri par ce lard et l'association, forcément lard et poisson, c'est excellent, quoi. Franchement, c'est très, très bon. Et puis, la petite touche de basilic qui nous fait penser que finalement, l'été n'est pas si loin que ça. Non, c'est pas encore tout à fait. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est très, très bon. C'est vraiment une belle recette. Elle est facile, elle est rapide et elle fait quand même son petit effet. On fait quoi ensuite, Sébastien ? Alors ensuite, on va faire du mignon de veau gratiné au comté. On va servir ça avec une mousseline de patates douces. On a préparé et paré le veau. Voilà, tout à fait. Donc là, tu l'as roulé dans le film alimentaire. J'imagine que c'est pour lui donner une forme un peu de médaillon. Voilà, c'est ça. On va garder des beaux médaillons. Donc là, on va couper avec le film et marquer en cuisson avec le film. D'accord. On les retire avant de le passer au four. Donc ça, on réserve. Voilà, on va mettre au frais. Et là, on s'occupe de notre mousseline de patates douces. On va s'occuper de la mousseline. Donc on a déjà épluché, coupé en dés la patate douce. D'accord. Et maintenant, on va passer en cuisson. Donc là, tu mets... On va les mouiller à hauteur. D'accord. On peut mettre de l'eau, du bouillon de légumes. Voilà, tout à fait. Après, ça, c'est pareil. Hein. C'est chacun qui décide et qui fait en fonction de ce qu'il a. Là, pour une mousseline, nous, on va les cuire à l'eau. Tout simplement. Tout simplement. Et puis, une fois que ce sera cuit, on les mélangera avec du beurre et on les mixera assez finement. Donc là, on laisse tranquillement cuire. Donc là, on va compter une petite quinzaine de minutes de cuisson ça pour marche. La patate douce. Donc pendant ce temps, on va s'occuper de du veau. Voilà, tout à fait. On va le couper. Donc là, on va le couper en médaillons. Mm-hmm. On va partir sur du 120 grammes pour un plat. Et on peut monter un petit peu plus s'il n'y a pas d'entrée au préalable. Voilà, donc on a deux beaux médaillons. Maintenant, on va passer à la cuisson des veaux. Oui. Donc, on va les assaisonner, puis on va juste les marquer côté pile et face, et puis on les terminera au four avec le comté. Donc là, on met notre poêle à chauffer. On va mettre un peu d'huile. Oui. Une huile neutre, peut-être arachide, tournesol ou colza. On va juste assaisonner notre viande rapidement, des deux côtés. Donc, sel et poivre. Sel et poivre, tout à fait. Donc là, on peut bien assaisonner. C'est des pièces qui sont assez épaisses. Hein. Donc là, la poêle, elle fume. Donc là, c'est bon. Donc là, on y va directement. Voilà, nos mignons. Donc, tout en gardant le film alimentaire pour vraiment qu'elle conserve cette jolie forme c'est ça, de médaillon. C'est ça, tout à fait. Donc, on va bien la marquer. Poêle bien chaude. Ah, une belle coloration bien blonde. Une petite noisette de beurre. Un petit peu de beurre pour nourrir tout c'est ça. C'est ça, tout à fait. Ah, puis ce qui est bien, c'est qu'après, le beurre colore et ça te permet d'avoir ce côté un peu noisette sur ta viande. Tout à fait, ouais. Donc là, maintenant, on va finir notre cuisson au four. Oui. Et alors, à quel moment tu vas mettre ton comté ? Donc là, on va le mettre maintenant. D'accord. On va juste passer un tout petit coup au four pour bien stabiliser notre viande, pour éviter que dès qu'on enlève le film, tout se relâche. D'accord. Donc on va juste la passer quelques instants comme ça, et après, on mettra notre comté, on la fera gratiner. Alors, on va mettre à 175 pendant 6 minutes. D'accord. 5 à 6 minutes. On va déjà mettre 5.
Et après, on mettra le comté dans 5 minutes. Quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Donc là, on laisse. Pendant ce temps, on va s'occuper de notre mousseline de patate douce. De patate douce, tout à fait. Donc là, on a égoutté notre patate douce. Nos patates douces donc qui, là, sont, elles sont bien cuites. Sont bien cuites. Et donc là, tu vas la mettre... pour faciliter, là, tu vas la mettre dans le robot pour vraiment avoir la mousseline très lisse. L'avantage, voilà, c'est qu'en les passant au robot, on aura quelque chose de super lisse et super fin. Contrairement au moulin à légumes, où on aura encore les fibres de la patate douce, donc ce sera pas super quoi. En rendu, c'est pas ce que tu veux. Donc là, tu mets du beurre. Voilà. Donc nous, on va mettre que du beurre. Voilà, l'idée, c'est d'apporter un peu de richesse et de gras pour la rendre gourmande. La patate douce, encore une fois, elle demande pas grand chose avec le côté sucré qui. Et tu mets un tout petit peu d'eau de cuisson. Voilà, pour qu'elle soit un petit peu plus souple. Et là, on va mixer. Donc là, on mixe. Voilà, on va les laisser tourner tranquillement, 2-3 minutes. Donc, jusqu'à ce que ça soit bien lisse et que le beurre est bien mélangé. Ensuite, on va récupérer le four sonne, on va mettre notre comté dessus. On va remettre la pièce de viande au four pour que ça gratine. Et après, on n'a plus qu'à dresser. Tout à fait. Et à manger. C'est vraiment divin parce que le comté, franchement, c'est excellent. On est vraiment dans une recette. D'ailleurs, toutes tes recettes sont comme ça, vraiment gourmandes. Quoi. On est là pour se faire plaisir. Exactement. Et l'association comté avec cette belle pièce de viande, c'est vraiment divin. Et puis la petite mousseline qui est là aussi pour apporter de la gourmandise parce que la patate douce, c'est gourmand. Il y a cette petite touche sucrée en plus avec le beurre, c'est très très bon. Et c'est pareil, comme toutes tes recettes, elles sont faciles et rapides à faire pour c'est le ça. Coup. Et en même temps, excellentes. Super. On va terminer avec le dessert. Ouais. Alors pour le dessert, on va faire un blanc-manger. Donc blanc-manger aux framboises qui sera pané aux amandes. Donc là, on a fait toutes nos pesées. On commence par quoi, Sébastien ? Donc là, on va lancer notre compoté de framboises. Oui. Donc on a mis des framboises fraîches avec un petit peu de sucre. Oui. Donc on met 10% de sucre dans nos framboises. On va bien filmer notre cul de poule et puis on va mettre ça au bain-marie pour une petite cuisson rapide. D'accord. Ouais, l'idée, c'est vraiment d'avoir une compotée qui va être finalement le cœur de notre blanc-manger. Exactement, voilà. Alors, blanc-manger, donc là, on a du blanc d'œuf. Voilà, donc on va préparer ça un peu comme une meringue. Donc, blanc d'œuf plus sucre. Oui. Donc, on va commencer à fouetter tout doucement. D'accord, je le lance ? Ouais, c'est parti. Je peux monter progressivement, j'attends tout à fait, voilà, on va bien laisser se mélanger au début. J'attends un peu, puis je vais monter progressivement. Exactement. Là, on est sur la recette, en gros, des œufs à la neige. Enfin, c'est le même principe. Hein. C'est exactement pareil. Il y a juste la cuisson qu'on va changer. Et encore, même pour les œufs à la neige, moi, je fais les mêmes cuissons, vapeur 75 degrés pendant 5 minutes. Ça, c'est là où la meringue elle reste la plus stable. Et si la meringue est bien montée, ça fait, si on fait des rosaces, les rosaces restent bien belles. Les arêtes restent encore bien nettes. Alors contrairement quand on les poche, souvent c'est un petit peu brouillon quoi, on n'arrive plus à pouvoir reconnaître après. Donc là tu mets un petit peu de sucre pour les serrer. Voilà, exactement. On est pas mal là. Donc là c'est bon. Tout à fait. Donc là on est pas mal. Donc on va vérifier notre meringue. Ah, franchement, comme ça moi, je pense que c'est pas mal du tout. Ouais. Donc tu la mets en poche, tu la débarrasses. Voilà, c'est ça. Ça va nous aider à couler dans les cercles.
Oui, parce qu'en fait, tu vas les cercler. Voilà, on va les cuire en fait en forme ronde. Dans des petits emporte-pièces pour pouvoir... Dans des emporte-pièces. Après, ça peut être soit rond, soit carré. Oui, ça n'a pas grande importance. Ça jouera peut-être un tout petit peu sur la cuisson. Donc là, tu vas lisser. Voilà, c'est ça. Ça va développer un peu à la cuisson? Alors, très peu, étant donné qu'on va les cuire à basse température. D'accord. Là, on va opter pour une cuisson vapeur à 75 degrés. Mm-hmm. Pendant donc, combien de temps? Pendant 5 minutes. D'accord. Là, pour ces cercles-là, ce sera 5 minutes de cuisson. Donc là, 5 minutes, voilà. Cuisson vapeur. Exactement. Donc 75 degrés. 75 degrés, 5 minutes, et ce sera tout bon. Eh bien, parfait. Pendant ce temps, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, maintenant, on va s'occuper des tuiles aux amandes. D'accord. Donc ça, c'est... on va rajouter ça par-dessus pour okay. une différence de texture. Ouais, pour apporter un voilà, petit peu de croustillant. Voilà, pour du croustillant dans t'as notre... quoi dans ton appareil, là, à tuiles? Donc là, en fait, on a fait un appareil à tuiles dentelle. Donc oui. Dedans, on a du jus d'orange. Donc on a 100 g de jus d'orange, 100 g de sucre. On a 100 g d'amandes concassées et 75 g de farine. D'accord. Donc on va faire... des petits plots qu'on va étaler avec notre cuillère. D'accord. Donc tu fais des petits ronds, quoi. Voilà, exactement. On va essayer de les faire de la taille de l'emporte pièce. On va les cuire combien de temps, à combien? Donc là, ça cuit 5 à 8 minutes à 180 degrés. D'accord. Donc on va cuire nos tuiles. Ensuite, on récupérera nos blancs d'œufs qu'on aura cuits. Les framboises qui auront compoté. Tout à fait. Hein. On fera l'insert et on fera également torréfier des petites amandes effilées, voilà, c'est ça le principe? Alors là, on va prendre des amandes concassées parce que ce sera plus esthétique. D'accord. Ou amandes effilées à mode concassée, après, mais voilà, l'idée c'est de retrouver importe. Le goût de l'amande et un ça peu de. Ça pourrait être aussi des pistaches ou de la noix de coco, peu importe. Mais Et après, on aura tout, on n'aura plus qu'à faire le montage et à goûter. Tout à fait. C'est top parce qu'effectivement, tu as du croustillant avec cette tuile qui est exquise et qui sent bien l'amande. Le rappel des amandes sur le côté, on a l'impression de manger un nuage. C'était très léger. Ouais. Ouais, c'est très léger. Là, en plus, la framboise, c'est vraiment top. Ce que j'aime vraiment beaucoup dans cette recette, c'est qu'on peut le décliner en fonction des produits de saison. Et ça reste quelque chose de facile, de simple. Enfin, là, on l'a fait en 10 minutes, c'est fait. Exactement. Donc, non, c'est top. Merci beaucoup Sébastien. Merci. Franchement, on s'est régalé, on aime beaucoup venir te voir parce qu'à chaque fois on passe un bon moment, on se régale. Voilà, tu es vraiment dans des recettes gourmandes, simples mais en même temps voilà, qui sont efficaces. Donc on reviendra. Eh ben, ce sera avec plaisir.